juste un propos en tant que tel par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Je le regrette de dire que je trouve ça énormément pathétique. Je n'en reviens pas qu'aujourd'hui, à 46 ans, que je reçois ma première mise en demeure vers un conseiller municipal qui veut me faire changer mon idée par rapport à m'envoyer en menaçant d'une mise en demeure. Je ne comprends pas. Je suis en affaires depuis plusieurs années puis je n'ai jamais pris cette alternative-là pour faire le business, encore moins pour des fois agir pour contre des gens qui m'en veulent ou qui n'en veulent pas, mais pas pour prendre des décisions. Je pense que c'est immoral. Malheureusement, il faut vivre avec la démocratie que le monde croit s'imposer, mais je ne crois pas que ce n'est pas la démocratie, c'est d'imposer quelque chose qui, exactement, ne regarde pas, regarde des intérêts entre deux personnes et non les miennes. Cependant, c'est le seul point que j'ai à dire pour ça. Autre point, je voudrais vérifier avec la direction générale si on pouvait envoyer le panneau radar sur le boulevard de la Mairie. J'ai reçu plusieurs appels de mes citoyens pour des problèmes de vitesse à cet endroit-là. Le boulevard? Le boulevard de la Mairie. La Mairie. Évidemment, entre le boulevard Saint-Luc et des Échevins. Puis évidemment, il y a eu beaucoup de nouvelles constructions, fait que ça apporte beaucoup d'achalandage et de la vitesse. Fait que c'est un boulevard assez large, fait que beaucoup de jeunes qui l'utilisent. Ça serait possible de m'envoyer un retour le plus tôt possible si c'est possible d'être installé rapidement. D'ailleurs. C'est tout pour mes points.